Bonjour, je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Hop, comment ça va les gens? Bonjour, faut que je vous explique, c'est compliqué. On va aller faire du skate avec Kenny. Du coup, je vais inverser des donation goals. Mais je sais plus où on fait ça, fait chier. Hop. Bonjour, bonjour. T'as fait la note de McKinsey? Non, pas encore, on l'a fait tout à l'heure. Fais chier. Je sais plus où est-ce que je change mes donation goals. Jalon. C'est ça qu'ils appellent jalon? Oui, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Et ben, on va intervertir. Je fais du skate avec Kenny. On va le mettre à 49 300 euros, donc c'est le jalon qu'on a obtenu hier soir à 3h du matin, bravo à vous. Merci. Hop. Et du coup, le jalon à 70 000 euros, on va mettre run écolo pourcent sur démocratie 4. Voilà, normalement c'est bon. Du coup là la donation bar, si je la refresh, normalement, merde, je fais du skate avec Kenny, normalement elle est remplie. Hop. Non, mais non, c'est pas ça que je veux mettre. Attendez. Laissez la police faire son travail. Ça va vous? Ça fait plaisir de vous revoir. Pendant que je galère à faire des réglages, alors que je suis un peu en retard. Tu nous as manqué. Vous m'avez manqué. Le tweet de Mélanie Vogel. Ah, j'ai pas vu. La voix cassée. Ah, j'ai la voix avec la taxe, ouais. Je confirme. Mélanie Vogel, elle a tweeté des bêtises. Je fais un don aux The Event pour soutenir les associations écologistes et mériter l'observation de qui atteint presque tous ses goals. Hâte notamment des 13 plaqués et de l'accueil au Sénat. Let's go. Merci Mélanie. Mélanie Vogel, la sénatrice, qui a tweeté sur le The Event. C'est la seule élue à ma connaissance à l'avoir fait. On va y aller. Est-ce que tu sais quel est le lien RTMP qu'il faut mettre en source? Non, mais je peux aller demander ça. Tu peux aller demander ça en régie? Ouais. Parce que les mecs, ils m'ont dit rendez-vous à 14h devant le Crown et donc ils sont devant le Crown là. Okay. Mais avant, ils devaient me dire sur quel RTMP, mais ils m'ont pas dit. Ok, je vais choper ça. Merci. Mais je suis prêt à y aller, en tout cas. J'aimerais récupérer mon t-shirt dans un point relais, sauf que je suis pas chez moi. Oh là, j'en sais rien. 14-15. Ouais, 14-15, bah, je viens de le dire à Kenny. Il est allé voir quel RTMP je dois mettre. Parce que, du coup, tu me l'as pas dit. oui, là, c'est Valentin qui doit te l'envoyer. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Donc là, ce qui va se passer... Ce qui va se passer, c'est que la régie va m'envoyer le lien RTMP qui va me permettre de vous streamer notre aventure à l'extérieur. Parce que là, avec Kenny, mon pote Kenny, streamer exceptionnel, qui a remporté la Zilan, on va aller faire du skate dans un skatepark. Donc on va prendre une bagnole et on va être suivi par une équipe qui aura une bagnole, qui aura une caméra, qui va pouvoir nous envoyer un lien, qui va pouvoir vous le diffuser. Donc je vais aller faire du skate pour la première fois depuis 15 ans. C'est très important ce qui est en train de se passer. Quelle indignité. Quelle indignité, merci pour les 10 balles. On va essayer de garder un œil sur vos dons. Julien Bayou a aussi tweet sur l'event. Ah, faut que j'aille voir ça. Trop bien, chaud du flip encore. Eh, les amis, si je plaque mon premier kickflip depuis 15 ans, vous avez intérêt à faire les dons les plus stratosphériques de l'histoire. C'est quoi le goal à 43 300? Ah oui, si, c'est bon, ça a été mis à jour.
Le goal à 49 300, c'est je vais faire du skate avec Kenny. Le prochain goal à 70 000 euros, c'est je fais une run écolo pourcent sur le jeu Démocratie 4. Et les donations de goal pour le stream depuis la chambre d'hôpital qui suit le skatepark. Alors il est possible que je me pète la cheville. Hein. Ça, on va être assez clair. Hein. C'était pas l'inverse hier. Si, c'était l'inverse. J'ai inversé les donation goals. J'ai complètement inversé les donation goals. Volontairement. Échauffe-toi. Ouais, je vais m'échauffer. Je vais m'échauffer les poignets. Parce que c'est eux qui vont prendre surtout. Si tu casses tes lunettes, je m'engage à faire un don d'un dixième de leur prix. T'es con. Mets des protections. On en a pas, je crois. Fais rouler les chevilles. Ouais, 155 balles. Je suis à l'aise financièrement, je ne plains pas, mes affaires marchent en ce moment. Merci beaucoup pour les 155 balles, merci beaucoup, merci pour les 10 balles aussi. Merci. Oh là là. Il y a des skateurs dans ton stream. Ah bah vous avez intérêt. Vous avez intérêt à nos backseats. Qu'est-ce que je voulais faire? Nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. 49-3, merci Manuel Valls. Merci Manuel Valls pour ton 49-3. Hop. L'abondance qui a dormi toute la nuit ici. Il suinte. Merci pour les 20 balles. 50 000, on a atteint les 50 000. Bravo à tous. Tu sais skater ou tu vas en mode YOLO? Alors moi du skate j'en ai fait pendant 7-8 ans. À très très haute dose. Mais j'ai arrêté de skater depuis l'âge de... 19 ans. Donc voilà. Donc j'en ai pas fait depuis 15 ans. J'en ai pas fait depuis 15 ans. J'ai pris 20-25 kilos de plus depuis. 49-3, merci beaucoup. Merci. J'ai pris 20-25 kilos. J'ai plus du tout le corps fait pour. Je sais plus tenir sur un skate. Je sais pas, j'ai pas compté individuellement le nombre de 49-3. C'est vrai ? Mais je sais pas si on pourra avoir des stats d'ailleurs sur les dons uniques. Il commence à tomber un peu. Hein. Ah mais il est vénère, ouais. Il s'affine avec le temps, il est meilleur. Ouais, il s'affine, ouais. Il prend l'odeur du The Event. Silence pour la France ! Merci pour les 50 balles, Margot. Merci beaucoup, Margot. Merci, très bravo. Bien. Merci pour les 20 balles, Pemph. Et après, petit stream hosto. Zoubi les gens, merci, Pemph. Donc voilà, merci Batbu pour les 10 balles, merci. Donc du coup, ouais, skateur parisien, plutôt flat. Merci pour les 10 balles, il n'y avait pas beaucoup de skatepark à mon époque. Merci pour les 20 balles, Luciel, merci beaucoup. Hier, t'as parlé de Guy Carcassonne, c'est mon prof de droit constitutionnel. Alors toutes mes félicitations, c'est formidable d'avoir Guy Carcassonne en professeur de droit constitutionnel, d'autant qu'il est mort depuis 5-6 ans maintenant. Donc bravo à toi, c'est génial. Je sais toujours pas qu'est-ce que je dois mettre comme flux. Dans le Discord, tu as un truc. Kenny, hop. Ok, RTMP slash skate. Et c'est un waiting screen pour l'instant. Ok, alors bougez pas les amis. Il y a le son qui va avec. Ouais, ok. Bougez pas les amis, je vous mets... hop. Je vous mets une nouvelle scène. Source... Comment on fait déjà? Attends. Capture, image, diaporama. C'est source média, ouais. Skate. Nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Faites mieux. Ok. C'est pas un fichier local. Tu décoches fichier local. Tu mets le lien. Dans entrée. Si, c'est bon. Ok, nickel. Oui, il s'affiche. C'est bon, ok, il est là, donc ça c'est nickel. Je vous rajoute. Bougez pas, les amis, hein, je vais y aller. Merci pour vos dons. Je possède des thunes. Non, ta gueule. Je vous mets les alertes. Voilà, je vous mets les alertes sur le stream. Je vous mets la donation bar. Hop, hop, hop.
Voilà. Je vous mets ça. J'y vais, les amis. Je coupe mon micro. Je vous laisse avec le lien. Et je vous souhaite de vous éclater. Vous allez avoir l'image dans pas longtemps dès qu'on démarre le flux. Mais là, normalement, vous allez nous voir faire du skate. C'est normal que le waiting stream bouge pas. Oui, je peux rien y faire. Ouais, c'est normal. Go le skate. Hop, c'est bon, je cut le micro, j'y vais. Salut à toutes. Ah, ça y est, tu le prends comment? Parce que le problème, c'est que. En vrai, je suis pas sûr. Bah, si, enfin, si tu... tu penses? Bah, tu l'as fait tout à l'heure. Ouais, mais tout à l'heure. Ouais, mais tout à l'heure. Non. Mais non, parce mais non. Tu vois, c'est les clous là. Ça, c'est relou. Tu penses? Mais oui, parce que moi, j'aime bien arriver très près. Et du coup. Ouais, ah, ok. Attends, je sais pas. Voir. Non, vas-y, mais non, essaye, mais. Je travaille. Essaye. Mais toi aussi, tout à l'heure, quand tu l'as fait, c'était bien. Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Après, t'as de la wax ou pas sur toi? Non, j'ai pas de wax. Parce que ça glisse pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, on abandonne. Hein. On va la laisser tomber celle-là. Ouais. Ouais. On n'a pas de wax, personne n'a de wax. Salut à tous. Salut. Bonjour. Ouais, salut. Comment allez-vous? Bonjour. On est au skatepark et évidemment qu'on n'allait pas drop cette merde. Évidemment. Je l'ai fait dans mes rêves cette nuit. Hein. J'en ai rêvé. On en a rêvé, mais effectivement, ça y est, on est au skatepark. Donc là, ça voilà. Fait 28 heures qu'on est sous soleil à espérer pouvoir lancer le live. C'est enfin fait. Et du coup, on va passer un petit moment de chill ensemble. Mais ouais, carrément, c'est ça le but. On va faire du skate. Jean Massier va vous montrer comment on fait du skate finalement. Ouais, c'est ça. Ceci est la board de Kenny. Elle est incroyable, regardez-moi ça, ce modèle. Belle peinture. Franchement, c'est incroyable. Belle peinture. T'as fait ça cette semaine sur le grip. Ouais, tout à fait. Ça a été fait cette semaine et c'est très beau. Alors, je pense qu'on va essayer de faire quelques tricks. On va discuter. Expérience The Heaven. Qu'est-ce que tu penses de la planète? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis à un moment, il y aura un 1v1, mais sauf que ce sera un 1v1 de Holly. Et ce sera... ouais, c'est ça, on va s'arrêter là. Parce qu'en fait, pour l'histoire, toi, t'as fait du skate, on a fait longtemps. Moi, j'en ai fait longtemps, effectivement. À peu près comme toi, j'en ai fait 6, 7, 8 ans environ. Ouais. J'en ai fait un peu en compétition, mais voilà, sans dinguerie quoi. Et j'en ai pas fait depuis 10 piges quoi. Donc, enfin, vraiment, okay. Sérieusement, et à tryhard et tout. Donc, forcément, je suis très tremblant sur la planche. Mm-hmm. On a roulé un petit peu tout à l'heure, on a vérifié, c'est validé, on est toujours des papis. Oui, ça, oui, ça, c'est papy style, ouais. Mais bon, ça va être très tranquille. On passe de l'autre côté. Ouais, ouais, on va côté. Passer parce que là, en fait, on vous explique qu'on est dans un parc où il y a deux parcs différents, un pour les pros et un pour les amateurs un peu débutants. Avant, tu disais pour les enfants. C'est pour le live. C'est pour le live, voilà. Du pognon. C'est le kido. C'est pour les pros qui sont pas encore payés. Ouais, c'est ça. Alors là, du coup, on n'est pas encore licencié, donc on peut pas skater là-dedans. On remercie Vans pour l'open space, évidemment. Très attention, le caméraman. Le caméraman incroyable. Putain, mais il est tout terrain, ce caméraman. Il est beau. Bon, voilà. Alors du coup, on y est. Et là, maintenant, attention, là, c'est la reprise. Parce que moi, j'en ai pas fait depuis 15 ans. Ouais. J'ai gagné 20 kilos depuis. Oui, bon. Pendant le Z-Event. Pendant le Z-Event, évidemment, là-bas. Et il fait chaud, et en fait, j'ai peur. C'est ça les différences. C'est que maintenant, quand je suis dessus, j'ai genre méga peur, quoi. Terrifiant. Tu sais, t'as les chevilles qui. Non, mais ça, je comprends. C'est beau ce que tu nous proposes. C'est beau. Oh, le Holly. Ah, le stress de la cam. Le stress. Il l'a fait tout à l'heure, c'est vraiment le stress de la cam. Je l'ai fait tout à l'heure et là j'y arrive plus. Ah non. Putain, mais regardez-moi ce streamer politique qui nous fait des Holly. Qui est en train de Holly. J'arrive à rien. C'est horrible, j'ai tout perdu. Holly-moi cette géopolitique, je t'en supplie. Mais ils sont méga desserrés tes trucs, putain. Non, c'est vrai que par contre je me suis rendu compte qu'ils étaient très desserrés, mais je pense que. Clé 14, les gars. Sur le chat, quelqu'un de clé 14? On a peut-être besoin d'une petite clé de 14. Peut-être besoin non, c'est vrai qu'ils sont très desserrés, mais je pense qu'à force, ils se desserrent petit à petit et que là, bah voilà. Ou la gomme est morte, j'en sais rien. Je pense qu'elle est. Non, la gomme, elle va bien. C'est juste, effectivement, je pense que c'est l'usure. C'est l'usure. Je skate plus serré que ça. J'ai roulé un petit peu tout à l'heure avec. Ouais, et effectivement, mais c'est pas grave. C'était un peu comme ça. Est-ce que t'as encore, t'as encore un petit holly là? J'ai vu que t'as encore un petit holly. T'as un petit flip ou pas? T'as un petit flip peut-être? Un kickflip? Un lancement de kickflip. Je te demande pas de le plaquer. Parce que là, Jean Massier va nous prouver là aujourd'hui. Ok, le holly, c'est validé. Thank you.
Mec, tu lances un vrai kickflip. Hein. Ouais, je le lance bien. Je suis vraiment pas sûr. C'est le rattrapé qui est relou. Ah ouais, sérieux? Ah non. Alors, en plus, moi, ça, c'est toujours le problème, c'est que tu mets tout le poids sur l'arrière. Et du coup, t'arrives pas à replaquer. Ah oui, non, mais c'est normal. Hein. Ça, c'est quand t'es terrifié de le lancer, quoi. Ça, c'est quand t'es terrifié. Mais mec, j'ai vraiment. Mais oui, je suis terrifié, mais. Y a aucune chance que j'ai aussi bien que toi. Hein. Ah, okay. Tu vois, beaucoup plus propre. Ouais, bah c'est de la chance, hein, parce que je le mettais pas comme ça tout à l'heure. Ok, ok, je sais pas, ça revient peut-être. Ça va rentrer, c'est sûr. On a. Ok, bon, c'est pas très propre, mais au moins, on survit. On a les bases. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se donne un petit objectif, un petit truc à faire? Est-ce qu'on va pas faire le game of skate dès maintenant? On va pas se jeter? Je suis en train de niquer mon grip, c'est fou. Oui, moi je suis en train de niquer mes pompes, hein, mais c'est bon. Ah, mais là, on met tout. Hein. Là, on y met le budget. C'est pour la planète, hein. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se donne un petit objectif? Moi, j'avoue que moi, mon kiff, ouais. Ce serait. Alors, c'est nul hein, pour ceux qui savent faire du skate, mais pour moi, c'est un truc de fou. J'aimerais juste pouvoir réussir à faire un à 50-50 ce truc. Ah, ici? Ouais, c'est pas ouf, tu vois. C'est juste arriver. Bon, pas aussi haut, hein. Mais voilà. Ouais. Et repartir. C'est vraiment un truc con, mais c'est le petit. J'ai vu ça et j'ai eu envie de faire ça. Bah, faut le replaquer, quoi. C'est ça l'enjeu. Après, est-ce ressortir, que tu me suis ou pas? Je pense pas que j'y arriverai, moi. Je pense pas que j'arriverai à claquer un ollie aussi haut que ça. Ah ouais? Faut que je réessaye, mais. Fais un ollie à côté. Je te dis si tu le peux passer. Non, attends. Tu vois, c'est trop bas. Ah ouais, c'est juste. Je suis trop bas. C'est un peu mieux, mais. Ouais, non, c'est peut-être juste. J'y arriverai pas. Faut pas que tu tues. C'est vraiment peut-être juste. Je vais déjà chercher à boire, putain. Oui, vas-y. Moi, je vais faire un ollie à côté juste pour vérifier si c'est possible ou pas. S'il y a un monde où. Ouais, mais j'ai peur. Mais je pense que oui. Oula! Où je le gratte. Ouais, je pense que je l'ai, non? Je l'ai ou pas? Le holly là. Tu penses que j'ai assez haut? Je le refais. J'ai déjà pris de flotte. Ok, bah je le tente alors. Avec l'usure, le truc c'est grave desserré. Ok, bon, c'est peut-être une erreur. Vas-y, j'essaye. Vas-y, mec. Ok, ça va passer. J'ai lu ton visage. Oh! Ok. Ah, tu rentres. J'ai envie de mettre de la. Mais oui, tu rentres. Putain! Il y a eu une hésitation, je réessaye. Oh, il y a eu la chute dans les DVD. Ouais, elle était là. On a failli l'avoir venu. Elle était là. Là, je t'ai vu mourir. On a failli avoir le coccyx là. Ouais, ouais. Ah, les petites pauses. Allez, on va se calmer. Va Let's go. On va faire ralentir le rythme cardiaque. Ouais, c'est ça. Ça, power slide, ça se régale. Hein. Power slide, c'est cool, ouais. Oh non! Attends. Wow. Ouais! Mec, je me suis régalé là-dessus. Hein. C'est divin ce que tu proposes. C'est classe ou pas? Attends, il y avait aussi ça. Oh non! Casper anti-Casper! Casper anti-Casper, à l'ancienne. Mais je sais plus rien faire. Qu'est-ce que je savais faire de. T'as pas un petit truc un peu fancy là que tu savais faire? Bah si, t'avais le Faki chevite. C'est celui-là. Ah, avec un 180? Ouais. C'est pas un Faki Big Spin qu'on appelle? Si, c'est ça. Comme ça. Moi, je suis allé le faire, mais dans l'autre sens. Donc, je sais pas ce que c'est. Dans bizarre, le dos mais... Dans le dos. Moi, je suis plus à l'aise à sauter dans le dos. Comme ça? Ouais, moi, je suis plus à l'aise à sauter dans le dos. Ah ouais, d'accord. Ouais. En face, j'y arrive pas. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Tu vois rien? Je suis à l'envers surtout, mec. C'est super bizarre. Je joue clavier souris à Rocket League, y'a rien qui a tenu. Donc. Non, mais regarde, je vais remontrer mon trick TikTok. Ouais, vas-y. Ça, j'avais trouvé ça marrant. Je vais jamais y arriver, hein, mais. Alors, en gros, j'explique le concept parce que sinon ça va être obscur. Ça n'a pas de nom, d'accord, j'ai juste vu ça sur TikTok. Le mec est sur sa planche.
D'accord. Il appuie fort ici, du coup la planche fait ça. Il la rattrape dans sa main. Et il la remet comme ça. Voilà. Ça, c'est le principe du tricks. Et maintenant, je le rate pour vous. Presque. Il est presque passé, je retry. Ok, hésitant. Hésitant, mais il est passé. Très hésitant, mais il est passé. Okay, je regarde le chat, je regarde le chat. Vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Il y a des petits bugs d'image, vous inquiétez pas. Ah ouais? Ouais, ouais, ça. Ça lag à chaque fois qu'on fait un trick. Ah, c'est super cool. Super stylé. Genre là, par exemple, si je fais un truc. Oh, vous l'avez pas vu, putain, c'est dommage, ça a lagué à ce moment-là. Il a rentré un ah, truc. Merde. Ah, merde. Ah, putain, bah merci pour vos dons. Ok. Peut-être qu'à l'hosto, on aura la fibre. Ouais, je suis d'accord avec toi. On aura la... Merci pour les 10 balles, merci pour vos dons. Ah oui, les dons. Ah ouais, les dons. Je regardais pour la planète. Pour la planète. Combien d'armes on a sauvé là? Le skate, c'est écolo, on peut le dire. Combien de déchets avons-nous ramassé dans l'eau grâce à The Sea Cleaners? Nous avons ici une planche en bois thermocollée, tout à fait respectueuse de l'environnement. Du caoutchouc, probablement à base de pneus de bagnole recyclés, j'en sais rien, je sais pas. Et les trucks, c'est du métal parce qu'on aime bien la musique. Les trucks, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, voilà, c'est ça. Donc, pour la planète. C'est l'appellation technique du. On tient à remercier la mairie de Montpellier, Michael Delafosse, pour ce skatepark en bois. C'est bien ça, c'est bien pour la place. C'est GG. Doucement, doucement, je te sens énervé. Je suis épuisé. Tu peux pas méditer comme ça en live. Faut que tu te calmes. Pour la planète, mec. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Ah, ça demande le kickflip. Bon, j'ai moins peur qu'au début. Ça commence à revenir. Ouais, normal. Même ça commence à aller. Pourquoi ça veut pas avancer? Ouais, t'as vu, ça roule, hein, c'est bon, c'est plaqué. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est admis. Ah, un nom 49.3 à noter plus tard pour l'abondance, bien sûr. Merci, merci beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Merci le fromage, je le sens bien là, le fromage. Il fait tellement chaud, on est à pic de soleil comme des imbéciles. Ah ouais, en plus, c'est genre, vraiment. Mec, je fume des clopes depuis tellement d'années que j'ai plus de poumons. Tu sais qu'on a 95 ans. Mais ouais. Et que si on continue à faire des conneries comme ça, on pourra jamais se faire ce game of skate. Et qui va durer longtemps parce qu'on va rien plaquer. À mon avis, on peut le commencer. Donc voilà, c'est l'unique raison qui donne 100% de chance à mon call. Est-ce que je peux prendre un peu de flottement pour la suite? À mon call de faire maintenant ce game of skate, de le commencer. Je vais vous expliquer comment ça marche. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il y a une petite manière un peu cool et sociale de se faire des 1 contre 1 et d'apprendre à faire du skate quand on fait du skate. Et même d'ailleurs sur beaucoup de sports de glisse comme le BMX, la trottinette et tout, ce qu'on appelle un game of skate, un pendu, un skate, comme vous voulez. Le principe, c'est qu'on va choisir un mot, donc communément skate. Et en gros, on va call un trick. Donc je vais dire par exemple, je vais faire un ollie. Je vais tenter de le faire. Si je réussis à le faire, mon adversaire, du coup Jean, va devoir, on dit 3 tries. Ouais, 3 tries. 3 tries pour essayer de refaire mon ollie de la même manière. De le valider. Et ouais, de le valider. S'il est validé, il ne prend pas de lettre. S'il ne le valide pas, il prend une lettre. Donc le S pour commencer. On recommence. Si je call le trick, je le réussis. Il ne le réussit pas, il prend une deuxième lettre K. Et on construit le mot skate comme ça. Et le premier qui a le mot complet a perdu. A perdu, ouais. Voilà. Donc ça, c'est le principe du jeu. C'est ce qu'on va faire maintenant sans niveau comme ça. Quel mot on utilise? Je sais pas, anticonstitutionnellement, si tu veux. Faut être là encore ce soir. J'ai que ça à foutre, perso. Un Zera, Z2RA. Allez, un Zera. Allez, un Zera, on fait un Zera. Un Zera, un Zera. Comme ça, c'est Z2RA, voilà. Bon, ouais, ouais, Zera, ouais. C'est on ferait tranquille. Le tort chez vous. Hein. C'est un petit. On ferait le tort chez vous, effectivement. Faites des backflips. Qu'est-ce qui engage? Shifumi. Shifumi BO. Shifumi. C'est moi qui commence, je prends la main. Donc là, bon, on va. Tranquille. Je vais call un ollie, je vais le faire. On va alors utiliser les modules. On a le droit d'utiliser les modules et si module est utilisé, il est obligatoire de l'utiliser également. Oui, absolument. Donc si je dis ollie par exemple au sol et que je le fais, après il peut me dire ollie sur le truc ou genre un backflip. Ou un backflip, ouais. Par exemple. Par exemple, par exemple. C'est un exemple. Donc voilà. Okay. Maintenant que j'ai réussi. Commence sur un ollie. Voilà. Là c'est à toi, t'as 3 tries maintenant pour le réussir. Il est validé ou il est pas validé? Il est validé, il est validé.
La planche et la pop. C'était retombé... pas mon plus haut. Ouais, ouais, non, mais c'est pas grave. C'est... La planche et la pop, t'es retombé les deux pieds dessus. Et du coup, c'est toi qui continues ou c'est je moi je continue. J'ai pas... c'est moi ah non, c'est toi, vu que t'as réussi. Parce que j'ai réussi, je continue. Exactement, ouais, exactement. Attends, mais qu'est-ce que je sais faire? Non mais tu peux Faki Oli, tu peux Noli, tu peux Switch Oli. Ah, Faki Oli, tiens. Tu peux Switch Oli, tu peux ça, faire ça va faire 15 ans que je l'ai pas fait celui-là. Faki Oli, donc il met son pied d'appui fort en avant. Voilà. Ah, j'ai raté. Ouais, il est pas passé. Du coup, il est pas passé, du coup c'est à toi. Il est pas passé. Alors quand on passe en Faki, c'est une autre position. On a la position de base et le Faki, le principe, c'est qu'on utilise notre pied fort à l'arrière, qu'on va le passer à l'avant. Et en roulant, du coup, on va l'utiliser pour faire le Oli. Donc je vais faire le Faki Oli. Tu vas l'essayer, ouais, vas-y. Le même concept. Oh, voilà. Oh, il était propre en plus. Et il était joli celui-là. Ah, ouais, ouais. J'en suis pas peu fier, je peux te le dire. Celui-là. Donc là, il doit faire un Faki Oli vu que je l'ai réussi. Ok. Ok, ok. Ils sont vraiment pas au mieux. Je peux demander un ridou pour le. Je peux demander un ridou pour le stream. Pour le stream. Oh merde. Une erreur. Deux erreurs. Aïe, 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 aïe. Putain ! Oh, oh les... J'ai eu si peur. En fait, je fais un truc... demander un ridou, donc c'est recommencer. Parce que à la fin, il y a eu une petite hésitation au rattrapage. En vrai, normalement, je l'aurais validé, mais c'était non, aussi non, pour non. expliquer la mécanique. Non, mais t'as raison, c'est un Z. Bah, j'ai pas réussi en 3 tries, tu m'as offert 3 tries de plus, c'est... non. C'est un Z, c'est un Z. C'est un Z. Ok, je vais call un show vite. Donc show vite, c'est... pieds normaux et puis on va juste faire un 180 à la planche. Bon, un chauvite, c'est en avant ou c'est en arrière? N'importe quoi, en quel sens. C'est... Front chauvite ou bah, comme tu veux. Je les rate plus, hein. Moi je suis un joueur Zidane, mon gars. Je vais pas faire de la. Let's go! Nice! Oh non, j'ai trop peur. J'ai un peu, peur. Un peu de confiance, un peu de confiance. En plus tu l'as mec, hein. Tu grattes, tu as confiance, tu replaques. Aïe aïe aïe, il y a eu la confiance, mais il y a eu la planche qui s'est barrée en couille aussi. Et c'est un E. C'est un E, c'est un E, c'est à toi. C'est à moi. Ouais ouais. Je vais tenter. On va le changer un peu. Oli 180 là que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Là, Oli 180. Ouais. Merde. Vas-y vas-y vas-y, je le valide, vas-y. Je le retente. Vas-y, ok, tu retournes. Ah putain! Je regarde un petit peu, tout va bien sur le live, les gars. Je regarde un petit peu le chat en même temps, vous nous dites. Je suis sur le chat, les gars. Ah, j'y arrive pas. T'as pas réussi à mettre? Tout dur à chaque fois. C'est pas grave, on va dire qu'il passe, on va dire qu'il passe. Donc bah, tu l'as fait backside essaye. Dans le dos? Ouais. Essaye. Okay. Silence pour la France! C'était un frontside? C'est frontside. Ah, pardon. Backside, c'est vers l'avant, c'est le. Quand tu présentes ton dos. Ah oui, parce que tu présentes le. Tu présentes ton dos. Je me trompe tout le temps. Ok. Tu veux un ridou? C'est validé, je veux bien un ridou parce que t'as touché le talon, non? Ouais, ouais. Ok. Allez, tiens. Qu'est-ce qu'on fait? Vos règles sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'on fait mal? Dites-nous, hein. Dites-nous, les gars. S'il y a un truc qu'on fait pas bien, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, les skateurs du chat, là? Non, mais c'est quand même Jacques Chirac qui nous le dit. Donc Jacques moment, Chirac, bonjour, monsieur. Il s'agirait quand même de respecter la personne. Voilà. Il est né avant nous, ce mec. C'est notre aîné. Attends, je vais faire un truc de TikTok. Regarde, tu vas kiffer. Oh non! Ok, c'est ça? C'est ça, le trick, monsieur. Ok. C'est ça, le trick. Ça me va, ça me va. Alors, je sais pas si je peux le faire. Hein. Putain. Donc on est d'accord, attends, je décompose. Hein. Ouais. J'arrive. Je pop la planche. Je la rattrape, mais ici, j'ai le droit de poser un pied. Ouais. Ok. Du coup, c'est là. Et j'ai le droit de changer de main ou je t'as le droit de changer de main, ouais. Ouais, ouais, je peux faire ça. C'est ça. Ok. Ok, je vais essayer. Ah ouais, quelqu'un à l'eau. Là, je suis en first time, mais un peu hésitant là. Il est parti en chercher? T'en as? Merci. C'est ton combien de try? Ah, il y a moyen que je le prenne celui-là. Les tricks de TikTok, c'est les plus traites parce que c'est vraiment des trucs très spécifiques.
Putain, c'est le seul truc que je galère à faire. Attraper ma board en roulant. Allez. Ah non, c'est Maxime. Ouais. J'ai besoin d'un jury. Est-ce qu'il a été validé? Parce que je le crois j'ai... que je l'ai fait. Ouais, ok, il est validé. Je l'ai fait un peu lentement, mais il est passé. J'ai failli prendre le Z, mec. Hein. C'était GG, à ça. GG, mec, hein. GG. Bien joué. Attends, je lis un petit peu. Attends, quand tu lances une figure et que tu réussis, celui qui a proposé la figure, on repropose une autre. Oui, mais on a fait ça justement pour que tout le monde joue tout le temps. Enfin que... Ouais, tranquille, les gars, on respecte pas les règles de la fédération. Il y a pas de cash prize, les gars. Enfin, vous pouvez faire des dons. Hein. Ah, bah, à tout moment, oui, il peut y avoir un cash prize. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Non, je déconne, vous avez le droit. Ok, il est passé. Il est passé, il est passé. Du coup, c'est à toi de proposer. Ouais, vas-y. J'ai une idée. Là, je me chauffe, là. Je vais tenter le petit... Je crois que ça s'appelle un Faki Big Spin. Ah oui, Faki Big Spin, ouais. Oh, putain. Et en plus, il le met, mais ça m'énerve. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je sais pas le faire dans ce sens-là. Hein. Non, mais fais-le dans l'autre sens, c'est pas grave. Je dans le valide sens? Quand même. Ouais, je le valide quand même. Je sais que c'est chiant, l'essence. Je peux pas te demander de first time un truc un peu dangereux. Ah, je l'ai jamais fait. T'inquiète. Pas mal, il manque juste du courage. Que du courage. C'est marrant, c'est ce que je me dis toujours. Il y a tout, il manque le courage. L'histoire de ma vie, c'est tout. Il manque juste du courage. Allez. Oh, non. Non, 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 j'y arrive pas. En vrai, ouais, faut avoir envie de le lancer. Z2R. Non, j'ai déjà le R. Non, Z2R. Non, il y a Z2R là. Z2R. Tiens, je vais te proposer un power slide. Ah putain, je suis pas fort là-dedans. Ah le bâtard. Voilà. Ok. C'est ça le trick. Ok. Ok. Je suis pas très fort là-dedans. Hein. Ok, j'essaye. Hop, j'ai juste pour mes lacets, ça me fait stresser. Let's go! Putain, monsieur, je suis pas très fort là. Non, mais j'ai eu peur de le lancer, j'ai lancé, je fais ok, ça marche comme ça, c'est ça bon. Ça marche, ouais. Ok. Tu veux en proposer un autre ou moi? Là, j'hésite. On fait fi des règles, on fait fi des règles. On fait fi des règles, on essaie de faire des trucs. On en a plus rien là. T'as gagné, Jean! Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux te proposer une ligne. Vas-y, essaye. Un truc con, hein. Un truc con, attends, laisse-moi voir. Non, mais tout est un peu nul, donc en fait... Non, mais je suis en mode, bon, j'avoue ouais, que là, bon, pour je une ligne... Je ne sais rien faire, moi, ici. Hein. Faire demi-tour en haut d'un plan incliné, c'est ok. Je vais te proposer... Non, je ne vais pas faire ça. Ça, c'est des lettres faciles, mais c'est des tricks en switch. Et c'est chiant. Ah, en switch. Mais c'est juste chiant. En gros, l'idée, pour ceux qui connaissent pas le skate, le principe, c'est qu'on a une position où on se sent à l'aise, et on peut passer en switch, et du coup, c'est la même chose. Mais on switch. Et du coup, c'est hyper chiant parce que bah, c'est un pied sur lequel tu n'es pas habitué à faire les trucs. Et ouais. Quand tu fais ça dans un game of skate, t'as envie de crever parce que l'autre, il te fait que des trucs où tu first time, quoi. Donc c'est trop chiant. Ouais, c'est ça. C'est trop, trop chiant. C'est exactement ça. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux. J'ai ma chaîne qui s'est accrochée à ça. C'est trop chiant. Désolé pour le son. J'espère qu'on l'entend pas trop et que c'est pas trop chiant. Tu veux, faut que je. J'essaie de te l'enlever. Attends. Bad, ça va le chat? Désolé, on peut pas trop lire les dons. Et comment c'est possible enfin, comme ça, voilà. Elle est à l'intérieur. Désolé, hein. ok. Je vais tenter de mettre un heel flip. Allez, je vais tenter un heel flip. C'est fait, ouais, se transformer en couille flip, là. Ah ouais, c'est un heel flop, ouais, totalement. À toi, Jean. T'as fait quoi? J'ai fait rater mon heel flip. Tu l'as raté? Attends, on peut proposer en se tenant, comme quand on apprenait à le faire. Tu veux faire quoi? En se tenant. Ah, tu veux le faire en tenant? Ouais, vas-y. Fais gaffe, c'est très chaud ça. Ça va? C'est vrai que c'est chaud. Ouais, c'est très chaud. Il n'y a pas de bois où on peut... Ouais, toutes les barres sont méga chaudes, c'est des fournaises. Faut se mettre derrière le truc là-bas. Ah oui, derrière, vas-y.
On va se tenir comme alors des ça, c'est fermes. Pour apprendre. Si vous n'avez jamais fait de skate pour apprendre, c'est très bien de se tenir à une barrière, à un truc. Ça vous rassure. Et après, vous le faites en lâchant les mains. Exactement. Vous pouvez même enlever les roues. Ça, c'est très bien, ça, là-haut. Allez, on va y arriver. Là, quand on se tient, on a souvent plus de courage pour ça. Mais oui, c'est ça, on a beaucoup plus de courage. C'est parfait pour moi. Là, c'est la position des pieds de base. Là, tu pouvais pas le lancer vu la position de tes pieds. Ah ouais, parce que je ne mettais pas assez sur le côté. En fait, t'avais genre le pied qui était ici. Du coup, le temps que tu. Oh mec, mes chaussures. Ouais, moi aussi. Ah, j'ai le démon. Elles sont défoncées. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment la position des pieds initiale. Faut que ça puisse partir. Ah, c'est vrai qu'en se tenant, par contre, là, je peux soulever des montagnes. Là. Ouais, bah ouais. Et mon heel-flip, il part jamais. J'ai un ollie, mais pas un heel-flip, en fait. Ouais. C'est tout ce que j'ai. C'est le talon, vraiment. Enfin, ouais. Qu'est-ce que je peux te proposer? Faut que je trouve un truc à te proposer. Un wheeling. Ah, un petit manual. On n'a pas fait des manuals. Un petit manual sur une distance. Vas-y, attends, on va trouver une distance. Ok. Je vais call le manual. Vas-y. T'inquiète, reste là-bas, ça va, t'inquiète. J'arrive, je reviens. J'ai fait la durée du ledge. Ok, la durée du ledge. Ouais, la durée du ledge. Je vais la faire dans le même sens que toi, je vais partir de là-bas. Vas-y. Let's go, il y a mon micro juste là. Enfin, je rigole, t'inquiète, on s'en fout. Ça sent la bœuf, voilà, faut le savoir. Non, mais t'inquiète. Oh bah, il l'a mis, hein. J'ai fait. Je l'ai trouvé plus propre que le mien. Mais là, on a un souci, parce qu'en fait, c'est ça, comme ça. C'est comme ça que ça se passe pour les débutants en skate. C'est-à-dire que les skates ne se terminent jamais. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre 4 lettres et pas 5. Et ça reste un cauchemar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un nollie. Nollie ? Oh, il le met en plus. Donc, le nollie, c'est le même principe que le switch. T'es pas sur ton pied d'appui à l'aise et tu fais. Et en plus, c'est dans l'autre sens. Tu le fais à l'envers. Donc, tu te mets à l'envers et avec le pied sur lequel t'es pas à l'aise. Et ça, c'est les tricks de merde. Où tu mets des lettres de merde. C'est un peu comme faire un trick sur la main gauche alors que tu les as toujours fait sur la main droite. C'est exactement ça. Quoi. Qu'est-ce que j'aime le skate. Sport de fou. Dernier essai. Putain. Vas-y, fais-en quatrième. C'est la dernière lettre. Non, mais j'y arrive pas. Je pense que même en me tenant, j'arrive pas. Il ne l'a pas. Mec, j'ai peur. Et là, c'est le Z2RA. Putain, c'est le Z2RA. Incroyable. Attends, je voulais te proposer un. Mais non, il l'a encore. Le mec a peur de faire un show vite. Non, attends, en même temps. Et il fait ça. Peut-être que c'est plutôt comme ça. Ça, non, mec, je connais. C'est une technique spéciale d'Antonio que ça fait beaucoup de points. C'est Rodney Mullen, ouais, qui m'a appris ça. C'est exceptionnel. Bon, voilà, les gars. On va s'arrêter là. Du coup, c'est la fin de ce Game of Skate. On a fait un petit peu de skate avec Jean, merci. Skate for the Planet, évidemment. Merci beaucoup, merci à vous. Merci pour les dons qu'on va pouvoir lire lorsqu'on rentrera du coup au Z-Event. Ouais. On va peut-être aller se mettre un petit coup d'eau. Petite douche, ça va faire du bien. Petit coup d'eau sur nous, histoire de se régaler. On espère que ça vous a plu. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je sais pas si y a quelqu'un qui est prêt. Oui, bien sûr. Ah bah vas-y, on meuble. Écoutez, faites des dons. Merci pour vos dons d'ailleurs, merci beaucoup. Est-ce que t'as pas un Streamlabs là qu'on puisse remercier? Non, j'ai pas mon Streamlabs. Oh là là. J'ai pas. Non, c'est streamé en carton. Hein. Non, mais dis pas ça. Non, faites du skate. Mais mettez des protections, on s'est dit ça en venant. C'est vrai, on l'a pas dit. Protection, c'est bien. Nous, c'est pas bien là ce qu'on fait. Nous, on est un peu débiles. Ouais. On est parti sans. Il m'a fait la réflexion, mais je me suis dit, bon, on va pas tenter des trucs de fous comme là. En fait, juste derrière, il y a une mini, une petite rampe, un petit half-pipe. On aurait pu, mais sans protection, en vrai, même si c'est une petite, ça peut vite devenir dangereux. C'est juste se blesser pour se blesser, c'est dommage. Ouais, il nous reste quelques heures encore à faire. En plus, on doit renfiler le bleu de travail là, donc ce serait bien. Retourne à l'usine là. Ce serait bien qu'on le fasse pas dans un lit d'hôpital, effectivement. Non, mais c'est très cool, moi j'aime c'était beaucoup. C'était très cool de refaire du skate, ça fait un bien fou de retrouver les sensations. Moi j'ai juste de un.
célébrissime mondialement. Ouais, ouais. Le bol de Marseille, c'est un très Moi, je l'ai endroit. Découvert dans les jeux Tony Hawk. Ouais, il était dans les jeux Tony Hawk. Il y a une compétition, il y a un niveau où tu es carrément dans le bol de Marseille et tu fais une compétition et tout, et c'est très cool. Et du coup, bah ouais, carrément. Donc ça, moi, je vais m'atteler à réussir à continuer à construire ce truc-là. Et bah du coup, bah t'es le bienvenu. Moi, je suis très très chaud pour t'accompagner. Tu veux, mais au moins une, j'aimerais bien valider une avec toi. Carrément. Après, tu viens autant que tu veux. Si on est 10 streamers, je m'en fous. Si ça te fait plaisir de faire le Tour de France avec moi, tu te régales. Ouais, et moi, j'ai un donation goal cette année, je vous rappelle. C'est d'aller faire du surf l'été prochain. On a proposé à la Surf Rider Foundation, qui est une association française de surfeurs pour la protection des océans. Ils nous ont dit qu'ils étaient grave chauds pour nous accueillir, nous faire une session surf découverte, grand débutant, bonne ambiance. Donc voilà, un peu comme ici, on essaye, on découvre, donc on va se casser la gueule dans les vagues et le tout avec une asso trop cool. Donc je vous tiendrai au courant. Déjà, il faut faire des dons pour que ça arrive. Et je vous tiendrai au courant, ce sera l'été prochain si ça se fait grâce à vous. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Et on se retrouve sur nos lives respectifs d'ici 30 minutes. Un truc comme ça. Allez, bisous.